il y a des questions en anglais ou en français pour Madame Lehou. Alors, moi, je vais commencer par un. One question that I have has to do, I know you've touched on this, but it is about the funding for medicine, for medical technologies, and also for the purchase of medical technologies. And it seems to me that an important issue is that, I mean, it feels like a lot of these technologies are extremely expensive to develop and require, you know, like a lot of capital funding that often comes privately. And yet, in a country like Canada, a lot of the purchase of it is with public money. And maybe that dynamic shifts, you know, when you have a country like the States where there's much more accent, maybe increasingly in Canada too, in, you know, purchasing medical technologies yourself. And I'm just wondering how that plays into the kind of scheme that you've set up and how that influences the proposal that you have for improving the way that these technologies are developed. Mm-hmm. Merci pour la question. En fait, pour moi, cette question-là, si on la regarde là, tout au long du cycle du développement d'une technologie, c'est-à-dire depuis la recherche et développement jusqu'à son utilisation en milieu hospitalier, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fonds publics, autant que les fonds privés, contribuent à la recherche et le développement. Donc, on a déjà payé collectivement d'une certaine façon pour la R&D qui se fait dans notre pays. En cours de route, ça va donner lieu à des entreprises qui parfois vont rester au Canada, parfois vont déménager, vont être achetées par d'autres joueurs. Donc, ce qu'on observe au Canada, c'est ce qu'on appelle notre balance commerciale. On va importer beaucoup plus de technologies médicales qu'on développe localement. Donc, il y a un premier enjeu à ce niveau-là, on fait de la R&D, mais très souvent, en cours de route, on en perd les bénéfices parce qu'ils vont disparaître. L'autre angle, c'est que du point de vue du financement des technologies, ça suppose des analyses économiques un peu complexes parce que là, on va regarder, bon, c'est quoi les bénéfices en santé, combien ça nous coûte, mais la technologie coûte en personnel, coûte en temps. Parfois, la technologie réduit des dépenses. Par exemple, on nous dit souvent que la chirurgie minimalement invasive, ben, ça réduit la durée de séjour en milieu hospitalier. Donc, ça diminue des dépenses. En même temps, ce que ça fait, c'est qu'on traite plus de patients, donc les coûts globalement augmentent. Je pense pour nous, par exemple, j'utilisais l'exemple de la médecine prédictive en disant la R&D se fait en laboratoire, c'est de la R&D coûteuse. Il n'y a pas de passage obligé. C'est pas nécessaire que ça se fasse là, la R&D. Puis c'est peut-être ça qui est plus complexe. Le dernier exemple, je parlais de solutions informatiques. On peut développer des solutions informatiques brillantes avec des plus petites équipes. La même logique s'appuie pour des petites et moyennes entreprises qui tablent sur de l'ingénierie, par exemple, du design industriel. C'est coûteux de la R&D, mais pas à la même échelle. Puis l'échelle est importante parce que pour des investisseurs de capital de risque, par exemple, la cardiologie, c'est un marché mondial. Donc, quand on investit en cardiologie, on est moins inquiet. Parce qu'on sait qu'on va récupérer nos investissements. Mais ça, c'est une logique d'échelle et de taille d'investissement. Pour vous donner un autre exemple, si on avait des politiques d'investissement locales avec une logique de développement d'emplois local, les attentes par rapport à la R&D seraient lié aussi à la capacité de développer de l'entreprise de façon durable. Donc, tout est une question de qu'est-ce qu'on priorise, puis c'est quoi le modèle d'affaires qu'on priorise. Puis je pense que le Canada est très influencé par les États-Unis. Puis, grande taille, grand marché, gros capitaux. Puis je pense qu'on n'a pas encore trouvé exactement qu'est-ce qui, chez nous, devrait être mis en place. Une autre question?
beaucoup pour la présentation. J'étais curieux de savoir, en général, quels sont le genre d'expertise qui sont associées à ce genre de projet. Quelle est la composition, en général, des teams qui contribuent au développement des technologies? Évidemment, ça changera selon les cas, j'imagine. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a des tendances qu'on reconnaît? Est-ce qu'il y a sûrement un domaine universitaire, académique, d'où vous provenez? Est-ce qu'il y a des aires de développement académique, par exemple, dans l'ingénierie plutôt que nanotechnologie? Dans quel sens le développement de ces technologies est en train d'avoir un impact sur la formation des curricula académiques? Eh oui, bonne question. Moi, je travaille beaucoup plus du côté des appareils, donc les technologies dures. Donc, je peux moins répondre parce que du côté des biotechnologies, là, ça fait référence à des sciences fondamentales. On travaille en laboratoire, à la fois universitaire, à la fois privé. Il y a énormément de collaboration entre les deux. Du côté des technologies dures, une forme d'innovation qu'on voit fréquemment, c'est ce qu'on appelle les spin-offs, c'est-à-dire la recherche se fait en milieu universitaire, puis il y a un moment dans le temps où on va créer une entreprise pour pousser l'innovation jusqu'à la commercialisation. Donc, très souvent, on est en mode hybride. Hein? Il y a déjà des cliniciens qui sont impliqués. Il y a des chercheurs dans le domaine médical. Donc, par exemple, c'est une chose que je dis souvent à des gestionnaires d'hôpitaux. S'ils vont dans le centre de recherche de leur hôpital, ils vont voir là les cliniciens entrepreneurs qui développent les technologies qui ne pourront pas se payer dans 15 ans. c'est que ça vient du milieu clinique en très grande partie, avec beaucoup de collaboration avec le secteur privé. Puis, donc, les équipes sont souvent hétérogènes. Il va y avoir plusieurs disciplines, plusieurs sous-spécialités. Les disciplines cliniques sont là, mais il y aura aussi le génie a une place importante. L'informatique a une place de plus en plus importante. La majorité des appareils médicaux, maintenant, ont des composantes informatiques. Il y a réellement une imbrication. Donc, dans les équipes, il y a une complexité en soi qui est très présente. Puis, les universités, à travers leurs hôpitaux universitaires, ont un rôle important dans le développement de l'innovation. Autre question? Another question? Moi, j'ai une dernière question, alors. Quand vous parlez des technologies de médecine comme des obscurs objets de désir, est-ce que ça ouvre la porte à l'argument que peut-être on ne devrait pas développer ces technologies du tout? Parce que je pense aux technologies, à l'analogie que tu as fait avec le design durable chez l'architecture. Et j'ai des amis architectes qui diront, mais écoute, le LEED, c'est un peu à côté. Si tu veux vraiment faire une maison durable, tu construis une tout petit box et tu mets du bon isolant dans la mur et tu le remplis de livres et comme ça, tu n'utilises pas la télévision. Hein? Alors, je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose d'analogique avec ce que vous proposez ou est-ce que... je pense que d'une certaine façon, oui. Quand, par exemple, je mets l'accent sur les déterminants sociaux de la santé, il y a un médecin à Toronto qui a fait un petit vidéoclip super intéressant sur... Il a essayé de répondre à la question, bon, si j'avais une chose à recommander à mes patients pour se maintenir en santé, qu'est-ce que je leur recommanderais? Puis il a compulsé la littérature, il a regardé différentes choses, puis c'est assez bien documenté. Puis finalement, il disait, bien, il y a une chose qui est à peu près systématique autour des études, c'est l'activité physique. Puis là, on ne parle pas du gym, là. On parle de marcher 20 minutes par jour. Donc, descendre de l'autobus un peu plus tôt ou aller à pied au travail. Ou... Donc, ce qu'il dit dans son clip vidéo, c'est de dire, bien, si vous faites, je pense qu'il l'a intitulé 23h30 pour dire, la demi-heure qui reste, là, marchez.
Donc, ça réduit plein de risques associés au diabète, au cholestérol, aux problèmes cardiaques, selon les études que qu'on peut faire. Donc, dans certains cas, oui, il y a des solutions vachement plus simples que celles qu'on imagine. La sédentarité, tu sais, j'ai parlé de la chirurgie bariatrique minimalement invasive. Des politiques plus agressives sur la malbouffe, un environnement urbain qui est propice à bouger, il n'y en aura pas de problème. Ça fait que peut-être il y a un parallèle avec ne pas construire du tout. Mais merci beaucoup, Madame Lahou, et je vous invite tous à profiter de la prochaine heure de voir l'expo en parfaite santé et de retourner pour les événements à venir ici au CCR.